Salut. Hello. Tu parles français? Ouais. C'est pour te dire qu'on n'a pas le droit de montrer son ventre dans les parcs. Ouais. Et Ah ouais? tu me crois en Moi, plus. je sais pas, moi, je suis fatiguée là. T'es fatigué? Ça se voit pas. J'ai l'impression que t'étais en pleine forme. Ah bon? Ouais. Pourquoi? J'ai observé depuis longtemps. Non, 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 je suis juste passé, j'étais avec un ami, je me suis dit, tiens, je vais aller dire bonjour. Ah bon? Ouais. Et j'ai trouvé comme parade pour te dire bonjour que je devais te mettre une amende pour le montrage de nombril. T'es d'accord? Bah bien essayé, hein. Ça a marché. L'amende, c'est que tu me donnes ton prénom. Ah bon, Nora. Nora, ok. Et Nora, quand je te parle, tu te tournes de l'autre côté, toi. Non, parce qu'à mon avis, ça va. Ton ami? Ton copain? Ah, ça va. On va pas se battre alors. Ok, cool. Bon, Nora, t'es fatiguée de quoi? T'as trop bossé? Trop fait la fête hier? Tu t'es mis une timbale? Ah oui. C'était ton seul moment de répit et j'ai tout niqué. Putain, je suis désolé. Et tu rôdes comme ça à... Non, 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 on passait dans le parc. Il est un peu plus loin. On passait. Je pense pas parce que il a un gros sac à dos, un appareil photo. Je pense qu'il est concentré pour prendre les. Il est anglais et il adore les arbustes taillés comme ça. Et je crois qu'il prend des photos des arbustes. Autant te dire que j'avais pas envie de rester avec lui. Non, je déconne. Mais il est anglais, ceci dit. Bon, t'es sorti où hier? Je m'assois 2 minutes, ça me permet de faire un break. Tu fais la tournée des bars? Ah oui. T'as fait la tournée du bling bling. Bien? Bien? Bonne ambiance? Cool. Genre t'es rentré à 8h quoi. Putain. Et alors, il y avait des beaux gosses un peu hier soir? Que dalle? Déçu? T'étais déçu? Tu vas me dire que t'es sorti sans avoir l'envie de rencontrer quelqu'un. Je pense que tu me mens. Non, mais c'est toujours plus drôle. D'accord. Maxime. Moi, je te conseillerais de mettre ça sous ta tête, ça te ferait un petit taurier. Mais tu devrais mettre ça sous ta tête, ça te ferait un petit taurier. Et à la base, non. Je suis de Bourgogne. Bourgogne. Et je suis sur Paris depuis 6 ans. Ouais. Ouais. T'es où toi? C'est incroyable, on est peut-être voisins. Non. Toi, je pense que t'es rive droite. Ah ouais. Tu pèses dans le milieu. Qu'est-ce qu'il fait de beau à Paris? Ah ouais, c'est bien ce que je dis. Tu pèses dans le milieu. Et t'es d'origine parisienne? Bien, voilà un beau destin. Et je mourirai empaillé dans une librairie. Ok. Je sais pas, je trouve ça. Ouais. Tu seras tellement connu pour toutes les crèmes que tu as découvertes. Je suis sûr que tu fais des cosmétiques naturels. Non? Ouais. Je sais pas si tu es en mode respecte la peau, tu dois bien
faire des rouges à lèvres à base d'huile d'olive et autres bêtes goji. J'en sais rien. C'est pas... Non. Ok. Dommage. J'aurais essayé. Ah ouais. Mais c'est pas très respectueux. Votre site. Ouais, je comprends, moi. En tout cas, là où je suis hyper fier de toi, c'est que tu as suivi mon petit conseil. Et rien que ça, ça me fait plaisir. Tu vois. Bon, allez, dors bien. Et peut-être à jamais. Viens, c'est un check. Cool. Ciao. Salut, Nora. Repose-toi bien. Là-bas. Ta copine? C'est laquelle? Non, mais elle, elle dort, donc elle va t'envoyer chier. Ah ouais. Le mieux, c'est que je m'allonge, je lui fasse des petits guilis sur le bras. Avec ta casquette, comme ça, elle va croire que c'est moi, c'est toi. Et je lui dis, tu te souviens, le matinée, ça. Bon, ça va marcher. Bon, allez, ciao. Alors, salut à tous. Je vais vous commenter une caméra cachée qui était faite dans un parc avec une fille allongée, toute seule. J'y suis allé. Et comment j'ai abordé, j'ai fait un petit circonstanciel en lui disant salut tout simplement et qu'il était interdit de montrer son nombril dans les parcs. Allez savoir pourquoi, elle m'a cru. Donc je pense que la question de confiance et d'assurance y a été pour quelque chose. Ensuite, l'interaction en elle-même était agréable mais assez plate. Il y a eu une ou deux questions de sa part. Donc un petit signe d'intérêt mais pas beaucoup de rythme. C'est pas une fille que j'avais profondément envie de revoir, donc j'ai pas pris son numéro. Mais c'est bon à faire en tout cas pour l'énergie, pour briser les barrières, certaines barrières. Ça fait du bien. Ça, on va dire que ça met en confiance. Et que là, si je rencontre quelqu'un, je suis prêt à y aller, je suis prêt à foncer à tout moment. Parce que mes barrières sont. Ma peur en tout cas a disparu totalement. Je peux y aller quoi. Je suis capable d'escalader la tour Eiffel, main nue et en slip de bain. Un slip avec marqué Morning Kiss devant et, et je t'aime derrière. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cette interaction dans la mesure où c'était pas très long, pas très exaltant, mais intéressant à apprendre en tout cas pour gagner en confiance, en énergie et pouvoir aborder à peu près n'importe qui dans n'importe quel cas de figure. Voilà. Si vous avez des recommandations, des questions, des idées, faites-nous en part dans la barre questions. Et en tout cas, mettez-nous un like et un grand pouce en l'air pour soutenir Morning Kiss puisque vous êtes sur la chaîne Morning Kiss.